Pendant la crise sanitaire, les relations entre Roselyne Bachelot et les artistes ont parfois été tendues. Et pour cause, celle qui était alors en poste au ministère de la Culture occupait une place sensible, tentant de trouver le bon équilibre entre le respect des règles pour protéger la population de l'épidémie de Covid-19 et les requêtes des chanteurs ou comédiens privés de scène pendant de longs mois. Si elle a réglé ses comptes avec Clara Luciani dans les médias, elle a également été interpellée, à plusieurs reprises, par Benjamin Biolay. Alors qu'elle était invitée sur les ondes de RTL ce jeudi 5 janvier dans le cadre de la promotion de son livre 682 jours édition. Plomb, Roselyne Bachelot a qualifié d'hypocrite certains artistes, à l'instar de l'ex de Chiara Mastroianni, qu'elle a rencontré au cours de ses 2 années passées au ministère de la Culture. Ce sont certains artistes, pas tous évidemment, parce qu'il y a des artistes qui nous ont dit à quel point ils avaient tenu la barre grâce aux aides de l'État, a-t-elle rappelé en préambule, avant de poursuivre, mais d'avoir vu certains artistes, souvent parmi les mieux payés, venir se plaindre sur certains plateaux. Le vôtre et d'autres, a dénoncé celle qui apprécie Éric Dupond-Moretti. Dans votre livre, vous citez Benjamin Biolay notamment. Si est-ce à lui que vous en voulez le plus? S'est interrogée Amandine Bégaud. Oui, voilà. L'hypocrisie de me remercier dans les coulisses et de m'attaquer sur la scène, j'ai trouvé que c'était difficile, a confié Roselyne Bachelot. Et de souligner, même si je dois reconnaître qu'il y a eu une telle souffrance de ne pas être en contact avec le public, si est-ce sans doute eux, les artistes, note de la rédaction, que j'ai le mieux compris. Supérieur à Roussel, le maire, Bachelot, Princesse. Découvrez ces politiques qui ont surpris, ou choqué, en 2022 le coup de gueule de Benjamin Biolay après avoir lancé un cri du cœur. En demandant à la ministre d'Aider les artistes au moment de la pandémie, Benjamin Biolay a poussé un coup de gueule contre Roselyne Bachelot. Profitant d'une interview accordée à Paris Match à l'été 2022, le chanteur a estimé que le gouvernement, et plus particulièrement la ministre de la Culture, avait carrément envoyé chier les artistes. « On vous a donné 11 milliards, arrêtez de l'ouvrir », nous a-t-elle balancé. Sa sortie sur les Césars était dingue aussi, s'est offusqué l'interprète de Comment est à peine. Peu après la 46e cérémonie de remise des prix, Roselyne Bachelot avait fustigé une soirée qui n'a pas été utile au cinéma français, regrettant un événement trop politique. Crédit photo, capture d'écran RTL.